suis Gilda Montrouge, j'ai 75 ans et j'ai travaillé comme enseignante. J'étais professeure des écoles pendant quelques années, mais j'ai dû prendre ma retraite en temps voulu parce que j'étais touchée par la maladie, j'ai eu un cancer. Aujourd'hui, je suis responsable des malades en traitement et en rémission à la Ligue contre le cancer. J'ai créé un groupe de parole où tous les malades se retrouvent, parlent de leur vécu, on échange nos difficultés, on parle des effets secondaires, des problèmes familiaux, enfin tout ce que les malades veulent échanger, mais c'est en toute convivialité et surtout qu'on est entre nous et on se comprend mieux. Quand on apprend qu'on est atteint d'un cancer, tout s'effondre. Gilda, elle est disponible, elle est toujours à l'écoute. Elle nous donne de très très bons conseils justement pour ne pas baisser les bras. Elle se sent heureuse dans ses démarches et elle n'attend rien puisqu'elle est bénévole et donc elle en tire satisfaction. Sincèrement, je n'aime pas trop ces distinctions parce que je fais vraiment tout ça avec cœur. Dire que je ne mérite pas, je dis oui parce que je mérite, je donne de mon temps 100%. Mais bon, ben, ça va, je pense que ça va m'encourager à faire encore un peu plus pour les autres.